Narumi, 21 ans, est une étudiante japonaise brillante, pleine d'ambition. Ainsi a-t-elle quitté son Japon natal pour poursuivre ses études en France, à Besançon. Elle va très vite de par ses aptitudes, notamment linguistiques, et bien se distinguer, avoir des notes qui frôlent l'excellence. La jeune femme a même trouvé l'amour auprès d'Arthur, un autre étudiant du campus. Mais son ex-petit ami, Nicolas, a du mal à accepter la rupture. Originaire du Chili, il ne va pas hésiter à faire des milliers de kilomètres jusqu'à Besançon pour reconquérir Narumi. Le 4 décembre, les ex-amoureux se retrouvent et la jeune japonaise accepte de dîner avec Nicolas. Mais le lendemain, elle se volatilise mystérieusement. C'est le début d'une affaire hors norme qui va tenir en haleine les médias du monde entier. Il est 22h58 lorsque les caméras de surveillance du campus filment les deux en train de rentrer dans le bâtiment. Ce sera la dernière image vivante de Narumi. Les jours passent et Narumi ne réapparaît pas. En 2018, André, 70 ans, profite pleinement de sa retraite. Il a rencontré sa compagne, avec qui il partageait beaucoup de choses. Il aimait les voyages. Mais le 27 juin, la fille d'André est inquiète. Son père ne répond plus au téléphone depuis plusieurs jours. Elle décide alors de se rendre à son domicile et fait face à l'horreur. Son père a été assassiné. Je ne peux pas imaginer qui peut lui vouloir du mal ou qu'est-ce qui a pu se passer dans cette maison pour que ça lui coûte la vie. On est à Besançon, dans le Doubs. Les hivers sont froids, gris, pluvieux. Et ce 4 décembre 2016 n'échappe pas à la règle de cet hiver un peu rude. On se retrouve cette nuit-là, tout près du campus universitaire à Besançon. On n'est pas au centre-ville, on est un petit peu à l'extérieur. C'est des résidences universitaires qui sont comme ça, accolées. Et on est vraiment dans un endroit très calme, normalement. Il ne se passe pas grand-chose, surtout comme ça en décembre, à l'approche des vacances. Sauf que, vers 3 heures du matin, des étudiants entendent des cris terrifiants. Tellement terrifiants que certains se terrent sous leur couverture et s'envoient des SMS. Il y a notamment une Anglaise, une étudiante anglaise, qui envoie un SMS à une copine en disant « J'ai entendu des cris de terreur, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de se faire assassiner. » Et soudainement sur le campus, plus aucun bruit. Après ce moment assez effrayant, disons que le calme revient et personne ne pense à appeler la police pour signaler ce qu'il vient de se passer. Donc finalement, chacun retourne se coucher. Le lendemain, au petit matin, les étudiants reprennent le chemin de l'université pour assister à leurs cours. Sauf que une étudiante manque à l'appel. Elle s'appelle Narumi, elle est japonaise, elle a 21 ans. Et très vite, on va s'inquiéter. Très vite, on va s'inquiéter parce que c'est pas son habitude. C'est pas son habitude de manquer les cours. Les jours passent et Narumi ne réapparaît pas. L'un des responsables de l'université de Besançon, dans lequel elle étudie, finit par appeler la police et prévient de son absence depuis 10 jours. Ça prend de plus en plus d'ampleur. L'étudiante de l'université de Tsukuba, Narumi, a disparu en France en 2016 pendant son échange universitaire. On commence à voir le visage de Narumi apparaître de plus en plus à la télévision. C'est petit à petit qu'on se rend compte de la monstruosité des faits. Les enquêteurs ne se doutent pas un seul instant qu'ils s'apprêtent à enquêter sur une affaire d'envergure internationale. Narumi, 19 ans, a grandi à Tokyo, dans un milieu défavorisé.
Mais cela n'empêche pas la jeune femme d'avoir de l'ambition. Narumi, c'est une jeune fille qui est née à Tokyo. Elle est l'aînée d'une fratrie, elle a deux petites sœurs. C'est vraiment une famille qui vient d'un quartier assez pauvre de Tokyo. Sa maman multipliait les petits boulots, son papa gagnait pas beaucoup d'argent. Et Narumi, c'est une jeune fille qui a envie de s'en sortir. Elle a envie de faire de grandes études, elle rêve de vivre à l'étranger et d'avoir un métier à l'international. C'est une jeune fille brillante. Ses parents parlent d'elle comme le soleil de la famille. Elle est tellement brillante, Narumi, qu'elle arrive à obtenir une bourse exceptionnelle que l'on octroie à très peu d'étudiants. Et elle va partir, après le bac, elle part à Tsukuba. Tsukuba, c'est une université qui se situe un petit peu à l'extérieur de Tokyo. C'est devenu une très très grosse université, un très grand campus, le deuxième plus grand campus du Japon après celui de Hokkaido. Et c'est une université connue, réputée. Elle est à Tsukuba dans l'optique de faire des études en lien avec la communication, le commerce, l'extérieur. Elle va très vite de par ses aptitudes, notamment linguistiques, et bien se distinguer, avoir des notes qui frôlent l'excellence. En dehors des cours, Narumi croque la vie à pleines dents. Narumi, une fois installée à l'université de Tsukuba, elle est comme tous les autres étudiants. Elle étudie, mais elle fait aussi la fête. Et puis, elle est épanouie. Elle a beaucoup d'amis. Elle côtoie des étudiants de nombreuses origines. Ils arrivent de tous bords. En février 2015, Narumi fait la rencontre de Nicolas, un étudiant chilien de 25 ans. Lui vient à Tsukuba pour poursuivre des études d'économie. Il est brillant, ce garçon. Il est brillant au niveau universitaire, mais il a aussi plein de talents. Il écrit extrêmement bien, il écrit des nouvelles. Il a beaucoup de charisme, il est très à l'aise avec tout le monde. Nicolas, c'est le beau gosse latino. C'est un garçon qui a beaucoup de succès avec les filles. Narumi, c'est quelqu'un de très souriante, très jolie. Et puis, premier regard, premier échange. Elle tombe sous son charme. Lui, ensuite, va faire une soirée DJ, parce qu'il faisait un petit peu DJ, une soirée latino où Narumi était présente. Nicolas va lui aussi tomber sous le charme de cette belle japonaise, une petite brune au visage gracile. Et il y a une histoire d'amour qui va naître entre ces deux jeunes étudiants. Et ils vont débuter une relation qui est décrite comme étant extrêmement fusionnelle. Il semblerait que pour Narumi, ce soit sa première véritable histoire d'amour. Narumi est très engagée, très impliquée dans cette relation, au point de présenter Nicolas à sa famille, ce qui n'est pas anodin, hein, au Japon. À plusieurs reprises, Nicolas se rend dans l'appartement de la maman de Narumi et noue des liens un petit peu personnels aussi avec ses sœurs. Quelques mois plus tard, c'est Nicolas qui emmène Narumi au Chili afin de la présenter à ses parents. La relation est tellement sérieuse à ses yeux qu'il la présente comme étant sa fiancée. Lui, il est persuadé que c'est la femme de sa vie. Il lui dit qu'il veut des enfants avec elle. Mais le séjour au Chili marque la fin de cette relation fusionnelle. Désormais, le couple va devoir apprendre à s'aimer à distance. Une fois les présentations faites dans la famille de Nicolas au Chili, Nicolas, lui, reste au Chili. Pourquoi ? Parce qu'il a fini son cursus à Tsukuba, donc il ne peut pas retourner au Japon. À la fin du mois de septembre, Narumi retourne au Japon pour poursuivre ses études. Pour Nicolas, la situation est très compliquée. Il ne supporte pas d'être loin de Narumi. Il faut imaginer, Narumi est au Japon et Nicolas est au Chili. Donc, Nicolas a cette solution, c'est de retourner au Japon et de rejoindre Narumi. Narumi, à ce moment-là, elle habite à Tokyo. Elle a
un petit studio dans lequel elle habite seule, bien évidemment, pour suivre ses études. Elle habite pas très loin de chez ses parents et Nicolas la rejoint. Donc il faut imaginer cette situation dans laquelle Nicolas arrive dans un petit appartement. Mais au Japon, ça se passe pas d'une très bonne façon. Il n'a pas de travail, il n'est plus étudiant. Narumi est une jeune femme assez indépendante. Quand elle veut sortir avec sa famille ou ses amis, avec Nicolas, c'est tendu. Il se comporte comme quelqu'un de très jaloux, de très possessif. Nicolas reproche clairement à Narumi d'avoir une vie en dehors de lui. La jeune femme sort, elle a une vie sociale. Lui ne maîtrise pas le japonais, donc il se sent exclu. Il a l'impression de ne plus être au cœur de la vie de Narumi. Le jeune couple semble au bord de l'implosion et le projet de Narumi de poursuivre ses études en France ne va rien arranger. Jérémy, enseignant-chercheur à Tsukuba, s'est occupé de son départ. Je l'ai connue dès l'instant où elle s'est présentée avec les autres étudiants du groupe d'étudiants qui allaient partir à Besançon. À ce moment-là, Narumi, oui, je la sens très focus, très enthousiaste, très concentrée sur le fait de partir en France. Dans un premier temps, Narumi, son objectif, c'est apprendre le français. Pour, pas devenir bilingue, mais pas loin. Pour des personnes qui font des études, Besançon fait partie de ces écoles réputées pour l'apprentissage du français en tant que langue étrangère. Ce qui lui permettra ensuite de poursuivre des études en économie et en français à Besançon. Et de son côté, Nicolas a d'autres projets, à savoir s'installer définitivement avec Narumi, pourquoi pas se marier, fonder un foyer, ce qui ne colle absolument pas avec les attentes de la jeune femme. Son projet n'est pas du tout d'intégrer Nicolas, et d'ailleurs, il n'a pas de raison de venir étudier en France. C'est son projet à elle, et en août 2016, elle atterrit à Paris, et c'est seule qu'elle s'installe à Besançon. Nicolas va, dans un premier temps, rester dans l'appartement qu'il occupait avec Narumi, puisqu'ils vivaient ensemble. Et je dirais, dans le temps du mois de septembre, il va quitter le Japon et retourner s'installer au Chili. C'est la première fois que Narumi part étudier à l'étranger. Mais la japonaise va très vite prendre ses marques à Besançon. Narumi arrive à Besançon fin août, début septembre. Et du retour que j'en ai, ça se passe très bien. C'est une jeune femme qui est beaucoup appréciée depuis qu'elle est arrivée à Besançon. Elle s'est fait beaucoup d'amis, elle assiste à des cours de danse, elle sort avec des copains. Parmi ses nouvelles connaissances, Narumi rencontre un jeune étudiant français, Arthur, 21 ans. Arthur, c'est un étudiant lui aussi brillant, qui est à l'école d'ingénieurs de Besançon, plutôt une école réputée, et qui réside sur le campus, quelques encablures de la résidence de Narumi. Donc ils sont amenés à se croiser, à se voir et à passer du temps ensemble facilement. Il a été élevé au Japon. Il parle couramment japonais, puis surtout, il a un comportement, c'est quelqu'un de beaucoup plus réservé. Il n'est pas exubérant comme peut l'être Nicolas, c'est pas un latin. Et certainement que Narumi retrouve chez ce garçon les valeurs de ses origines nippones, donc elle se retrouve en lui d'une certaine façon. Et il y a une relation d'abord amicale, mais sans doute un petit peu de séduction qui s'installe dans les premières semaines. Et puis alors que sa relation avec Nicolas se dégrade complètement, naît cette nouvelle histoire avec Arthur. Début octobre, ils officialisent le fait qu'ils sont en couple. Narumi s'est arrangé pour qu'il y ait une sorte de visio entre sa mère notamment et Arthur. Narumi et Arthur s'entendent très bien dès le début. Ils ont d'ailleurs prévu au mois d'octobre de se faire un petit week-end au ski. Donc vraiment, tout se met en place très vite entre eux. Ils ont plein de projets. De l'autre côté de l'Atlantique, Nicolas découvre que Narumi a un nouveau petit ami.
Nicolas s'est montré particulièrement jaloux vis-à-vis de la jeune femme, lui demandant par exemple de supprimer des amis hommes de ses contacts, en particulier Arthur. Il la harcelait littéralement de messages, quasiment 1000 messages échangés entre les deux. Mais Narumi lui répond, pour Arthur, c'est hors de question, je ne le supprimerai pas. On voit que c'est une fille très gentille, très sympathique, mais elle est aussi, parfois, extrêmement dure. Et des fois, avec Nicolas, elle le recadre très, très sévèrement, y compris en allant jusqu'à l'insulter quand il dépasse les limites. Et leurs derniers échanges sont terriblement tendus. Le 8 octobre, elle lui informe par les réseaux sociaux que c'est terminé. Elle n'est plus avec lui et elle souhaite couper les ponts avec Nicolas. Mais Nicolas ne l'entend pas de cette oreille. Il veut, coûte que coûte, reconquérir Narumi. Il va finir par, fin novembre, prendre l'avion et puis traverser l'Atlantique pour se rendre en Suisse et puis finalement sur le campus, clairement dans l'idée de revoir Narumi. Je pense que dans l'idéal, il se dit, elle est capable de me sauter dans les bras et de repartir avec moi au Chili et tout ira bien. Et je préviens tout le monde que moi, Nicolas, j'ai gagné le cœur de Narumi. Soit elle ne veut pas, et là, ne peut arriver que le pire. Le 4 décembre 2016, Nicolas est en France. Il se rend à Besançon avec cette seule idée en tête, retrouver Narumi, son ex-petite amie. Il n'a aucune idée où se trouve Narumi. Il va chercher, donc, bien évidemment, sur le campus universitaire, il va se déplacer souvent. D'ailleurs, il sera vu à plusieurs reprises. On sait qu'il achète une chemise blanche, on sait qu'il achète un blazer, il se coiffe, il s'habille, et puis il se rencontre par hasard, forcément, pour Narumi, pour lui non, et puis il va lui dire, voilà, je suis venu du Chili, comment ça va, je voulais voir comment tu allais, j'aimerais t'inviter à dîner, qu'on parle du bon vieux temps, et puis voilà. On est sur des retrouvailles qui, a priori, sont plutôt réciproques. Nicolas loue un véhicule pour l'occasion. Il monte en voiture et il se dirige à Ornan, une petite commune située à 20 km de Besançon. Ils se rendent dans un restaurant et dînent ensemble. Sans doute, ils ont beaucoup de choses à se dire. Ça fait 3-4 mois qu'ils ne se sont pas vus. Et les serveurs vont même témoigner que le repas s'était bien passé. Vers 22h, ils quittent le restaurant et retournent en direction du campus de Besançon. Il est 22h58 lorsque la voiture louée par Nicolas se gare sur le campus. Nicolas et Narumi sortent ensemble du véhicule et se rendent dans le bâtiment dans lequel loge Narumi. Pourquoi 22h58 ? Parce que les caméras de surveillance du campus filment les deux en train de rentrer dans le bâtiment. Ce sera la dernière image vivante de Narumi. Cela fait 10 jours que Narumi a disparu. Le 15 décembre 2016, les agents de la PJ de Besançon perquisitionnent la chambre de l'étudiante. La chambre 106 de la résidence étudiante dans laquelle résidait Narumi ne montre pas de signes de bagarre, de violence. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui rend la chose anormale. Et puis les policiers, ça c'est classique dans les scènes de crime potentielles, passent à un révélateur, ce qu'on appelle un blue star, absolument partout dans le studio, qui fait une dizaine de mètres carrés, donc ça va vite, pour éventuellement trouver des traces de sang, y compris des traces de sang qui auraient été nettoyées. Là, il n'y a rien. Donc voilà, on est face à cette chambre un petit peu mystérieuse où on a l'impression que Narumi est partie une heure avant. Toutes ces affaires, quasiment, y sont.
son manteau d'hiver, son unique manteau d'hiver, donc il est sorti sans manteau alors qu'il fait 0 degré, ses chaussures, ses habits, il y a de la nourriture dans le frigo, il y a son ordinateur, son sac à main, de l'argent liquide. Mais fait très étrange, il manque sa valise, une couette et son passeport. À partir de ces constatations, les enquêteurs réalisent qu'il s'est peut-être passé quelque chose de très grave pour Narumi. Le parquet de Besançon ouvre une instruction pour enlèvement et séquestration. Tout de suite, on fait des appels à témoins. Donc il y a des affichettes qui sont installées dans toute la ville, avec évidemment le visage de Narumi. On recherche des témoignages. Est-ce que quelqu'un a vu cette jeune femme ? Mais l'appel à témoins ne donne rien. Narumi demeure introuvable. Pourtant, la japonaise semble communiquer avec ses proches. Dans les jours qui suivent le 5 décembre 2016, plusieurs de ses amis et de sa famille reçoivent des messages, mais suspects, de Narumi, en tout cas de ses comptes mail, de ses comptes de réseaux sociaux. Elle leur explique qu'elle va bien et qu'elle est partie à Lyon pour des problèmes de passeport au consulat. Ce qui peut éventuellement paraître bizarre, c'est que si elle est à Besançon pour refaire un passeport, le consulat du Japon duquel elle dépend normalement, c'est celui de Strasbourg. Donc pourquoi elle serait allée à Lyon ? Le 10 et le 11 décembre, elle aurait également envoyé des messages à sa famille pour leur expliquer qu'elle se trouve avec son petit copain français, Arthur. Narumi envoie une photo d'Arthur à sa famille en disant « Je vous présente mon nouveau petit copain ». Et là, la famille s'étonne, puisqu'elle a déjà connaissance de cette relation. Les policiers décident d'interroger Arthur, le petit ami de Narumi. Il serait l'une des dernières personnes à l'avoir vu. Arthur explique de manière assez précise aux policiers l'emploi du temps de Narumi du 4 décembre 2016. La veille, ils ont passé la nuit dans la chambre d'Arthur. Au petit matin, c'est samedi, chacun est parti à ses activités. Narumi est retournée dans sa chambre d'étudiante, certainement pour manger un bout. Puis de 13h à 16h, elle est partie à son cours de danse. Retour au campus à 16h, elle croise Arthur. Ils s'embrassent assez rapidement. Et c'est la dernière fois qu'Arthur va voir Narumi. Évidemment, à ce moment-là, il est loin d'imaginer ce qui va se passer par la suite. Arthur explique alors aux enquêteurs avoir tenté de retrouver sa petite amie dès le lendemain. Le 5 décembre, il n'a aucune nouvelle de Narumi. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Il s'envoie régulièrement des SMS, ils échangent beaucoup, donc évidemment l'inquiétude monte. À tel point qu'il se rend dans le bâtiment où dort Narumi, devant la chambre 106, et avec des copains, il tambourine à la porte. Personne n'ouvre. Et c'est là qu'il a reçu un étrange SMS de la part de Narumi. Dans ce texto, elle lui expliquait qu'elle avait rencontré quelqu'un et que tout était fini entre eux. Ce message particulièrement violent pour Arthur est destiné à le dissuader d'ouvrir la porte ou d'aller plus loin dans des investigations. Et il est vrai que l'amour blessé d'Arthur fait qu'il ne poursuit pas. Évidemment, Arthur n'est plus inquiété à ce moment-là, puisqu'il a un alibi. Tout le monde l'a vu, le 5 décembre, il est avec des copains, devant la porte 106, le gardien l'a vu. Donc, il ne peut pas être l'auteur d'un possible homicide contre Narumi. Là, il y a vraiment plusieurs questions qui se bousculent. On a du mal à comprendre déjà qui est ce mystérieux garçon qu'elle aurait rencontré. Pourquoi est-ce qu'elle met brutalement fin à une idylle de quelques mois comme ça sur un coup de tête ? Et puis, est-ce qu'elle serait partie avec ce garçon ? Est-ce qu'elle est partie volontairement ? Tout devient très flou, dans un premier temps, en tout cas, pour les enquêteurs. À ce moment-là, la police judiciaire de Besançon est dans l'impasse, mais la découverte de nouveaux éléments va faire basculer l'enquête. À la PJ de Besançon, l'enquête s'accélère. Les policiers disposent de nouveaux éléments. Ils vont visionner les caméras de vidéosurveillance qui se trouvent sur le campus où habite à ce moment-là Narumi.
Et qu'est-ce qu'il découvre ? La nuit du 4 au 5 décembre 2016, à 22h58, Narumi, qui rentre dans sa cité universitaire, accompagné d'un homme vêtu de noir. Ils sortent tous les deux d'un véhicule. Mais la chance est de leur côté, puisque sur les images, on peut clairement distinguer le numéro de la plaque d'immatriculation. Ils comprennent que ce véhicule est une voiture de location qui a été réservée par Nicolas quelques jours plus tôt à Dijon. C'est donc lui qui se trouve avec Narumi à ce moment-là quand elle rentre dans le campus. Cette voiture est très intéressante pour les enquêteurs grâce au tracker GPS installé à l'intérieur du véhicule. Avant d'arriver sur le campus, ils savent que Nicolas et Narumi se sont rendus dans un restaurant à Ornans. Et puis bah voilà, là, les policiers déroulent le fil et ils retrouvent un serveur qui se souvient 10 jours plus tôt avoir reçu un couple avec une Asiatique. Et puis en s'intéressant à la manière dont le dîner a été payé, carte bancaire chilienne au nom de Nicolas. La question ne se pose même plus. On sait que voilà, Nicolas a à voir avec la disparition de Narumi, d'une manière ou d'une autre, ou directement ou indirectement. Mais il est présent. De toute manière, il est présent. Il faudra qu'il s'explique sur sa présence, sur les lieux, en fait. Les enquêteurs souhaitent auditionner Nicolas. Problème, le Chilien s'est volatilisé. Le 13 décembre, Nicolas est retourné au Chili, près des siens. Et tandis que les enquêteurs recherchent inlassablement Narumi, lui continue sa vie comme si de rien n'était. Lui qui voyageait beaucoup ne sort plus du Chili. Au Chili, on sait tous quelle est la jurisprudence Pinochet, pas de corps, pas de crime. Au Chili, il risque rien. Le problème, c'est que le Chili n'extrade pas ses nationaux. Au Chili, Nicolas n'est donc pas inquiété. Cependant, son entourage trouve son comportement suspect. Nicolas, c'est quelqu'un que je fréquente dans les lieux de convivialité. J'imagine que peut-être Nicolas peut avoir des nouvelles de Narumi. Donc moi, je décide de contacter Nicolas. J'utilise les réseaux sociaux et je l'appelle. Il me dit « Je suis au Chili ». Je lui demande s'il a des nouvelles de Narumi. Donc il me répond qu'il n'en a pas. Et il me demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai entendu de parler de quelque chose. Ça n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça. J'ai l'impression qu'il s'inquiète plus de savoir ce que je sais que de prendre des nouvelles de Narumi. Et en retour, il essaie pas de chercher plus que ça pour la chercher, quoi. Pourquoi il ne me dit pas « Je suis allé voir Narumi à Besançon ». Donc là, bien sûr, on a des soupçons. La PJ de Besançon s'intéresse de plus près au voyage de Nicolas en France. Un périple qui ne ressemble en rien à un séjour touristique. Nicolas arrive à Genève le mercredi 29 novembre 2016. Puis il se rend en car jusqu'à Dijon. À Dijon, il récupère sa voiture de location. On a plusieurs stops et ça correspond à une partie de la forêt de Chaux. Mais également, il y a des possibilités dans des petits bois alentours de Dole, où il y a le Doubs qui passe, une rivière qui est assez tumultueuse avec des gros trous, avec des grosses cavités. Et il y a un canal aussi important. Enfin, il y a pas mal d'endroits pour cacher un corps, quoi, c'est clair. Il se rend dans un supermarché à Dijon, non pas pour faire des courses alimentaires. Dans ce supermarché, il achète un bidon de 5 litres de combustible, une boîte d'allumettes et un spray à base de Javel. Il se rend aussi sur le campus dans lequel étudie Narumi. Voilà, pendant 4 jours, c'est comme s'il étudiait les lieux de long en large. Autre détail déterminant, l'enquête parvient à pointer que Nicolas quitte le campus de Besançon le 6 décembre 2016 à 4h23. Au moment où Nicolas part du campus, on est environ 24 heures après ces fameux cris d'effroi, d'angoisse ou de douleur que les étudiants ont entendus dans la nuit du 4 au 5 décembre. Et qu'ensuite, il se rend, là encore, dans ces zones un petit peu humides, forestières,
en tout cas très reculé, au sud de Dole. Le 7 décembre, Nicolas rend son véhicule de location à Dijon. Les personnes qui récupèrent le véhicule sont très étonnées de constater que cette voiture est bourrée de boue. On dirait qu'il a arpenté des forêts pendant des jours et des jours. Voilà, ils n'ont pas l'habitude de récupérer un véhicule dans un tel état de saleté. En revanche, les enquêteurs ne retrouvent aucune trace ADN à l'intérieur de ce véhicule. À ce stade des investigations, les policiers ont acquis une conviction. Nicolas aurait assassiné Narumi. Fort de tous ces éléments, les enquêteurs vont retenir une thèse. La nuit du 4 au 5 décembre 2016, vers 3 heures du matin, Nicolas tue Narumi en l'étranglant. Narumi se débat. C'est des cris qu'on entend, c'est des booms qu'on entend. Et après, Nicolas reste dans la chambre pendant plus de 24 heures. Entre-temps, Arthur frappe à la porte. Dans la panique, Nicolas lui envoie un texto depuis le portable de Narumi pour lui faire croire qu'elle rompt avec lui. Ce qui a eu pour effet de décourager Arthur de chercher davantage Narumi. Et ce n'est que le 6 décembre à 4h20 que Nicolas quitte la résidence universitaire avec le corps de Narumi, certainement caché dans la couverture. D'ailleurs, il passe par une sortie de secours qui n'est pas couverte par le champ des caméras du campus. Selon les policiers, Nicolas aurait réussi à traîner le corps jusque dans sa voiture, qui était garée un petit peu derrière, à une cinquantaine, une centaine de mètres, là encore, hors champ des caméras. Et puis ensuite, c'est le voyage jusqu'au sud de Dole. Les policiers privilégient plutôt un corps qui est mis à l'eau. Là, on a beaucoup de... On a la Loue, on a le Doubs, on n'a pas de barrage, donc un linéaire de cours d'eau qui peut aller très loin. La découverte des faits présumés est un choc pour la famille de Narumi, qui refuse de croire que leur fille est décédée. On est au tout début de cette disparition qui très vite devient un assassinat, et cette famille, elle est simplement dévastée par ce qu'on lui dit et dans l'incompréhension. La famille vivait toujours dans l'espoir que tout cela était juste un mauvais rêve, que c'était un cauchemar et que ça allait s'arrêter, qu'elle allait réapparaître. Le 23 décembre 2016, le parquet de Besançon requalifie l'affaire en assassinat. Et il émet un mandat d'arrêt international contre Nicolas. On dit toujours pas de crime sans mobile. Là, les enquêteurs ont un mobile, ce serait celui d'un ex-petit ami qui refuse la séparation. Cette enquête, elle est vraiment particulière parce qu'on est vraiment sur une machine à remonter le temps. Mais quand elle démarre, Nicolas est déjà rentré chez lui au Chili, complètement hors de portée de la justice française. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas d'accord d'extradition entre la France et le Chili. Donc on est vraiment dans une situation judiciaire et diplomatique un petit peu inextricable, d'où l'émission de ce mandat d'arrêt international, parce que si Nicolas venait à sortir du Chili, en revanche, il serait ramené directement en France. Mais une semaine après la diffusion de ce mandat d'arrêt, coup de théâtre, Nicolas se présente spontanément à l'agence Interpol de Santiago du Chili. Lors de cette audition, Nicolas explique qu'il est venu en France non pas pour voir Narumi, mais pour visiter des universités. Et sur le campus universitaire, il est tombé par hasard sur Narumi. Ils sont sortis dîner dans la soirée du 4 décembre, puis ils sont retournés à la résidence universitaire. Et dans la chambre de la jeune femme, ils ont eu une intimité. Des étudiantes parlent de cris d'horreur. Quand on pose la question à Nicolas, il dit non. C'est des orgasmes, on a fait l'amour toute la nuit. Vous voyez, c'est son interprétation à lui. Parce que son interprétation à lui, c'est que dès qu'on est arrivé dans la chambre, Narumi n'a pas pu résister. On a fait l'amour toute la nuit. Puis toute la journée d'après. C'est pour ça qu'on n'est pas sorti de la chambre. C'est pour ça qu'on n'a pas mangé. C'est pour ça que personne ne nous a vus. Nicolas raconte qu'après ce moment d'intimité, Narumi aurait été prise de remords. Puisque à ce moment-là, elle avait un petit copain, Arthur,
et elle regrettait d'avoir cédé aux avances de Nicolas. Et donc, elle aurait demandé à Nicolas de quitter sa chambre. Nicolas, éperdument amoureux, nous dit-il, obéit tout de suite et il sort par derrière. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. C'est ce qui... Il sort par derrière et il va rejoindre son véhicule. On ne voit pas, mais on sait par le tracker du véhicule qu'il va rester de très longues minutes à proximité de la résidence de Narumi avant de prendre le départ. Et ensuite, on sait qu'il part à Dijon. Sauf que avant d'arriver à Dijon, il va faire un parcours ubuesque. Et notamment se retrouver dans la forêt de Chaux, en passant par Dole. Le procès-verbal de Nicolas est transmis aux autorités françaises. Le Chilien ressort libre de cette audition. Mais l'affaire fait grand bruit dans les médias qui découvrent que l'assassin présumé de Narumi a un profil plutôt atypique. Nicolas, on peut dire qu'il est bien né. Il est né à Santiago de Chili, dans une famille riche. Son père est cadre dans un géant de la téléphonie espagnole. Et on découvre que sa mère a travaillé pour un sénateur qui est très influent. Donc on est vraiment dans un milieu très favorisé, très implanté, avec des réseaux, avec du patrimoine immobilier et avec une vie un petit peu dorée. Son père, d'ailleurs, est propriétaire de plusieurs appartements. On pense qu'il se cache dans les maisons que possède son père pour échapper aux médias pendant un temps. A-t-il bénéficié d'une protection ? L'enquête, clairement, a ciblé Nicolas. Il y a beaucoup d'éléments à charge contre lui. Pour autant, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Est-ce que, étant au Chili, il est complètement hors de portée de la justice française ? Est-ce qu'à un moment ou un autre, l'étau va se resserrer autour de lui ? Le Chili n'extrade pas ses ressortissants. Nicolas est libre dans son pays et pas inquiété. Mais la justice française n'a pas l'intention d'en rester là. Ils vont remuer ciel et terre pour faire revenir en France Nicolas et le voir jugé. Cela fait maintenant un mois que Narumi a disparu. Les enquêteurs ont ciblé une zone de recherche bien précise pour tenter de retrouver le corps de l'étudiante japonaise. Janvier 2017, ils font de grandes battues dans la forêt de Chaux. Il y a pas moins de 150 hommes et femmes qui recherchent activement le corps de la jeune femme. On a sollicité de nombreux collègues des écoles de Montbéliard, des jeunes gardiens de la paix pour nous faire des battues dans les bois. On a sollicité des plongeurs, on a sollicité de la gendarmerie nationale. On a des recherches des unités canines spécialisées dans la recherche de cadavres. On est allé fouiller dans une station d'épuration. Un travail considérable aussi a été effectué sur les déchets ménagers de Besançon avec des médecins légistes pour essayer, sur des tonnes et des tonnes d'ordures, de retrouver peut-être des ossements humains. Rien, rien, rien. Aucune trace du corps de la jeune femme. Alors que les recherches s'intensifient sur le terrain, des preuves contre Nicolas continuent de s'accumuler sur le bureau du juge d'instruction. La presse japonaise fait remonter une vidéo qui est un élément déterminant dans l'enquête. Cette vidéo, publiée initialement en septembre 2016, on voit Nicolas face caméra, énervé, vengeur, qui accuse Narumi de l'avoir trompé et qui lui pose des conditions pour se remettre ensemble. C'est une sorte d'ultimatum dans lequel il lui demande de rentrer dans le droit chemin. Récemment, Narumi a fait de mauvaises choses, ce qui lui impose de suivre certaines conditions pour préserver cette relation. Si Narumi peut suivre ces conditions pendant 2 semaines, je laisserai ces conditions sans effet. Et en même temps, elle doit être digne de confiance et payer un peu le prix pour ce qu'elle a fait. Elle doit assumer ça. Elle ne peut pas faire ce genre d'erreur avec quelqu'un qui l'aime. Oui,
2 semaines. Pour les enquêteurs, ce message ne laisse pas place au doute. Nicolas aurait agi avec préméditation. Une thèse confortée par les témoignages de deux étudiantes japonaises. Elles expliquent qu'au mois de décembre 2016, Nicolas leur aurait demandé de traduire des phrases très simples en japonais. Il y aurait par exemple ces deux phrases. « Depuis peu, j'ai un nouveau petit ami. » Et la seconde phrase, « Je pars seul en voyage. » Des petites phrases comme ça, qui en fait auraient été utilisées après la disparition de Narumi dans ces fameux messages que la japonaise aurait envoyés à ses proches. Donc là, la boucle est bouclée, on se dit que peut-être voilà, Nicolas avait prémédité certaines choses. Nicolas, en ayant fait survivre artificiellement Narumi par des échanges de messages, etc., et en ayant intelligemment retardé le début de l'enquête de police, non pas pour disparition inquiétante, mais pour meurtre en réalité, a pu passer en Espagne, et puis de l'Espagne passer au Chili. Selon un dernier témoignage, celui du cousin de Nicolas, le Chilien serait même allé jusqu'à avouer à demi-mot l'assassinat de Narumi. Les enquêteurs découvrent également que Nicolas a certes quitté la France le 6 décembre, mais il n'est pas rentré tout de suite au Chili. Il s'est d'abord rendu chez son cousin à Barcelone en Espagne. Le cousin en question est étudiant en médecine et il rapporte aux enquêteurs des propos très étranges tenus par Nicolas. Il lui aurait par exemple demandé au bout de combien de temps on meurt à la suite d'une asphyxie. Et Nicolas va lui dire « Je te conseille de ne pas parler du fait qu'on s'est vu, je te conseille de ne pas dire que je t'ai dit ça. » La justice française ne lâche pas Nicolas. Le 25 janvier 2017, elle fait parvenir une demande d'arrestation provisoire et d'extradition à son encontre. La justice française aimerait beaucoup que leur homologue chilien arrête Nicolas, mais pour la justice chilienne, il en est hors de question. Et puis il y a une autre chose qui joue un peu en défaveur de la justice française, c'est que le corps de Narumi n'a jamais été retrouvé. Donc la justice chilienne, elle trouve que l'enquête française, elle est un peu légère. Début février 2017, Nicolas est quand même cité à comparaître et doit se présenter devant la justice de son pays pour acter un petit peu les choses, même si là encore, il n'y a pas de menace concrète qui pèse au-dessus de sa tête d'une incarcération ou autre. Nicolas, pendant l'interrogatoire, est droit dans ses bottes, il ne dit rien. C'est sa position, ne pas parler. Il faut savoir que Nicolas, à ce moment-là, il a des avocats, de très bons avocats. Il est quand même le fils d'une personne très importante au Chili. Et ses avocats lui ont confirmé qu'il n'y avait aucun souci, il ne serait jamais extradé. Les mois passent, Nicolas reste libre au Chili. Pendant ce temps-là, en France, plus d'un an après la disparition de Narumi, sa famille doit faire face à une nouvelle épreuve. En juin 2018, après plusieurs vagues successives de recherches dans différents lieux, par différents moyens du corps de Narumi, les autorités françaises disent stop, on arrête de chercher, on a tout essayé, et Narumi reste pour le moment disparu, en tout cas son corps. De mémoire, je n'ai jamais vu de moment pareil dans ma carrière où des enquêteurs accablés viennent annoncer en personne à une famille qu'ils ont fait tout leur possible, qu'ils ont mené toutes les investigations possibles et imaginables pour retrouver leur fille et que malheureusement c'est un échec. Nous, on lui a rendu les effets personnels de Narumi qui se trouvait dans la chambre, donc c'était très compliqué et on se dit, quand même, l'idée c'est quand même pour tout enquêteur qui se respecte, c'est de remettre le corps à la famille pour qu'on puisse faire le deuil de cette personne. Mais le parquet de Besançon ne compte pas abandonner les poursuites pour autant. 3 ans après la disparition de Narumi, en avril 2019, le Chili accepte enfin de coopérer. Ils acceptent qu'une délégation française se rende au Chili
pour assister à un interrogatoire de Nicolas. 100 questions sont posées à Nicolas. Il faut imaginer quand même que le jeune homme, devant autant de questions si préparées, il vacille un peu. Il vacille, mais il garde malgré tout la même défense, c'est-à-dire ne rien dire. Nicolas, à ce moment-là, pour la société chilienne, il est l'homme à abattre. Il n'a pas l'attitude qu'on attend de lui. Pourquoi ? Parce que, ne serait-ce que quand il arrive à la Cour suprême, il est entouré de ses nombreux avocats, il sort toujours de voitures de luxe, il est habillé impeccablement avec des costumes qui valent une fortune. Le Chili va connaître aussi une vague de contestation qui vient des Chiliens eux-mêmes, qui vont mal vivre ce qu'ils vont considérer comme une justice de classe. C'est-à-dire qu'il va y avoir des manifestations pour dire « mais c'est pas normal, s'il a fait quelque chose, il doit être jugé. » Et puis au Chili, c'est systématique, quand une femme est tuée, disparaît, il n'y a jamais de procès. Et puis c'est un cas symptomatique, et puis. Donc les autorités chiliennes, au niveau politique, sont ennuyées. Tout le monde est ennuyé avec l'affaire Narumi. L'affaire Narumi est presque devenue un enjeu politique au Chili. La France le sait. Et le 7 octobre 2019, elle demande officiellement l'extradition de Nicolas. On est le 23 juillet 2020. Et ce qu'on pensait impensable quelques mois plus tôt est en train de se produire. Donc Nicolas est escorté, manu militari, même s'il ne résiste pas évidemment par la police chilienne jusqu'à l'aéroport de Santiago, pour un aller simple à Paris, en présence d'agents français qui sont présents physiquement à l'aéroport pour l'accueillir et puis pour prendre la relève. Et même si pour la famille Narumi c'est une victoire, ce jour est quand même empreint d'amertume, de tristesse, puisque c'est également l'anniversaire de Narumi. Elle aurait eu 25 ans. Il n'y a quand même pas de corps, il y a beaucoup d'inconnus qui entourent encore la disparition de Narumi. On est en face d'un jeune homme qui n'a jamais eu d'ennui avec la justice, qui clame son innocence. La question se pose, est-ce qu'il peut être condamné, mais est-ce qu'il peut aussi être acquitté, repartir libre chez lui au Chili ? Quoi qu'il en soit, c'est un procès hors norme qui va se tenir à Besançon, du jamais vu dans cette petite ville de Franche-Comté. Près de 4 ans après son dernier passage en Franche-Comté, Nicolas est transféré au palais de justice de Besançon. Donc quand il arrive sur le sol français, après 16 heures de voyage ininterrompu, il faut quand même préciser qu'il est accueilli par une horde de badauds en furie, je pense qu'on peut dire le terme, qui l'attendent en fait depuis des semaines et qui veulent sa peau. Clairement, c'est des hurlements de haine contre cet homme. Il y a même un badaud qui va demander le retour de la peine de mort quand il arrive. C'est une ambiance extrêmement particulière. La procédure judiciaire française, j'allais dire, reprend son cours normal. Nicolas est présenté à une juge d'instruction pour être mis en examen pour assassinat. Et pour la première fois de sa vie, Nicolas va être placé en cellule dès le soir même. Après 6 ans d'enquête, le procès de Nicolas s'ouvre le 19 mars 2022 devant la cour d'assises du Doubs. Pour le palais de justice de Besançon, on est sur du jamais vu. Là encore, parce que beaucoup de caméras, beaucoup de médias, des équipes qui sont venues du Chili, des équipes qui sont venues du Japon, des médias nationaux français, et une attente de voir ce Nicolas, de savoir comment il se positionne. Très calme, présente avec une chemise, donc présente très bien, cravate, petite tête un petit peu de jeune premier. Très à l'aise, poli, courtois, comme si aucune émotion ne le traversait. Les experts considèrent qu'il n'a aucun trouble psychologique. En revanche, il dénote une personnalité très égocentrique, très sûre de lui,
vaniteux, voilà, qui ne supporte pas qu'on lui dise non. Nicolas est poursuivi pour assassinat, soit meurtre avec préméditation. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Mais ce que la cour attend de lui, ce sont des aveux. Pendant le procès, c'est la question qu'on lui a posée à plusieurs reprises. Où est Narumi ? C'est toute l'astuce de Nicolas dans cette affaire, c'est de dire mais elle n'est pas morte. Hein. Je suis même sûr qu'elle est vivante. Et je suis certain qu'elle va bien. Vous, au fait, vous avez trouvé un corps ? Regarde, il met... Je fais tout ce que je peux pour vous aider à la retrouver parce que je suis sûr qu'elle est vivante. Et si on me laisse sortir, je vais embaucher des détectives privés et je vais partir à sa recherche. Mais les nerfs de Nicolas vont être mis à rude épreuve lorsque la mère de Narumi s'avance à la barre pour témoigner. Elle retrouve le jeune homme qu'elle a fréquenté à un moment à côté de ses parents. Et on imagine la force qu'il faut pour défendre ou pour, disons, réclamer une forme de vérité au sujet de sa fille qui, en tout cas pour elle, a de fortes chances d'être morte à ce moment-là. Le témoignage va durer 3h30. 3h30 durant lequel cette maman serre la photo de Narumi sur son cœur. Ça faisait 5 ans qu'elle gardait tout pour elle. Ça faisait 5 ans qu'elle verbalisait rien. Et en fait, ce jour-là, devant la justice française, elle a tout lâché. Avec quelques mots de cette maman, à l'attention de Nicolas lui-même, je me rappelle qu'elle hurle à un moment, qu'elle veut le tuer. C'était, je pense, son cœur de maman blessé et qui voyait aussi que son émotion se heurtait à l'impassibilité de Nicolas. C'était peut-être sa façon à elle, non pas de mettre du sens derrière ces mots-là, mais de faire réagir Nicolas. Mais Nicolas, il est froid. Il regarde cette mère, il écoute le discours de cette maman, mais une fois de plus, comme s'il était totalement extérieur à ce qu'elle était en train de raconter. Et surtout, l'émotion a atteint son paroxysme lorsque cette maman a évoqué toutes ces tentatives de suicide qu'elle avait elle-même traversées parce qu'elle voulait mettre fin à ses jours. Il y avait franchement derrière moi beaucoup de gens qui pleuraient, mais on avait aussi l'avocat général ému aux larmes, l'avocat de la défense. Moi, je l'ai vu se tourner la tête parce qu'elle était émue aux larmes. Je m'en rappelle aussi que l'interprète japonais, un homme, une voix forte, à un moment, sa voix se fendit parce que lui aussi se met à pleurer, quoi. Après 11 jours d'audience, le verdict est enfin annoncé. 28 ans de réclusion criminelle. En retenant la circonstance aggravante de la préméditation. À l'énoncé du verdict, Nicolas ne vacille pas. Il est fidèle à lui-même. Il vient d'entendre qu'il vient de prendre 28 ans et il ne bouge pas. La salle se vide. Il reste dans son box. Dès le lendemain du verdict, Nicolas décide de faire appel de la décision, ce qui veut dire qu'il va y avoir un nouveau procès. Il va à nouveau passer devant les assises. S'il venait à avouer son crime, s'il venait à avouer où était le corps de Narumi, on peut imaginer que la peine serait moins lourde. À l'inverse, si il maintient qu'il est innocent, mais que la cour d'assises en appel ne le croit toujours pas, la peine peut être plus lourde. Donc là, les enjeux sont vraiment très très forts sur ce second procès. Et j'allais dire une fois de plus, le seul qui a les clés de la suite, c'est Nicolas. En attendant un nouveau procès, Nicolas reste donc présumé innocent. La famille m'a complètement démoli. La souffrance de cette famille, leur comportement de victime, leur réserve, l'intensité dans leurs propos avec très peu de mots. C'est rare d'avoir des gens où quasiment la souffrance est palpable
C'est l'humain qui restera pour moi. L'attachement que j'ai pu avoir pour cette famille. Je revois les derniers jours du procès. Ils offraient des cadeaux au public, comme la tradition japonaise le veut, des gâteaux, des choses comme les origamis que la jeune sœur avait élaborés. Un échange, quelque chose de l'ordre qui dépasse largement le procès pénal, en tout cas. C'est extrêmement bouleversant, c'est terrifiant aussi, de voir cette jeune étudiante, pleine de vie, pleine d'enthousiasme, très intelligente, très avenante, très ouverte, et qui a, avec l'avenir devant elle, en fait, avec une famille visiblement aimante, etc., qui, du jour au lendemain, disparaît. Le 27 juin 2018, la fille d'André se rend au domicile de son père, dont elle n'a plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles. Et elle se demande pourquoi il ne lui répond pas, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes. Le temps de trajet pour aller chez lui, j'ai appelé à tous ses amis qu'il aurait dû voir dans les jours, dans la semaine, ou qu'il avait au téléphone précédemment. Et puis au fur et à mesure que je raccrochais des appels, je me rendais compte que personne n'avait eu au téléphone. Et je suis arrivée chez lui. Les deux voitures sont là, et André ne répond pas. Je mets les clés dans la serrure, je tourne une fois, et je commence à entrouvrir la porte, et tout va très lentement. Je découvre, les images apparaissent les unes derrière les autres, et tout est calme. Jusqu'à ce que je baisse la tête, en fait, et il est par terre. Et je sais qu'il est noir. Après, je ne me suis pas approchée plus que ça, puisque c'était pas utile et que je suis évidemment choquée. On va l'appeler les gendarmes. Pour les enquêteurs, une longue phase d'enquête va commencer et il va déjà falloir comprendre quel est le mobile de ce crime que personne ne comprend. Qui peut en vouloir à quelqu'un comme André? Ce n'est pas possible d'en vouloir à André, de s'en prendre à André. Nous sommes à l'été 2018, en Bourgogne. C'est ici que vit André, 70 ans. Mon frère, c'est d'abord un gars sympathique qui parle avec tout le monde. Qui ne fait pas de différence. Il a toujours un mot pour chacun, et puis c'est une voix qui porte. Il est pépiniériste horticulteur. Il a appris son métier très jeune. Il avait des serres ouvertes au public où il vendait donc tout ce qu'il produisait tous les végétaux extérieurs. C'était un acharné du travail, il faisait les marchés aussi. Après 50 années de labeur, André prend sa retraite.
Mais pas question pour lui de se laisser aller. Il a pris sa retraite et il a rencontré sa compagne, avec qui il partageait beaucoup de choses. Il aimait les voyages aussi. Il a découvert l'île de la Réunion où il a fait plusieurs beaux voyages. Et puis la montagne, été comme hiver. André est quelqu'un d'extrêmement engagé. Qui fait partie d'absolument toutes les associations. Et c'est quelqu'un qui est passionné. Il vend des calendriers, il organise des voyages. Quelqu'un de généreux, de gentil. Il n'a pas de barrière sociale. Il n'y a pas une personne de son village qui vient vous dire que André n'est pas la bonté incarnée. En ce mois de juin 2018, toute la famille d'André s'apprête à se réunir pour un grand événement. Cette année-là est particulière puisque ma fille a 18 ans et mon père a 70 ans. Donc on organise une grosse fête chez nous, où on avait invité 70 personnes. Le 6 juin, je l'appelle pour son anniversaire. Bon, il me dit tout va bien. La fête de famille est prévue le samedi 30 juin, mais à partir du 23, André ne va plus répondre au téléphone. Le mardi, j'étais donc en train de travailler dans mon jardin. Je l'appelle puisque j'ai des choses à tailler et je ne sais pas forcément comment faire. Ou je veux son conseil. Et donc, il ne me répond pas. Je me dis qu'il n'est pas tout seul et que... Et que voilà, qu'il ne faut pas que je m'inquiète, qu'il va me rappeler. Mais il ne répond pas. Il ne répond pas non plus le lendemain. Donc là, c'est vraiment une inquiétude qui est en train de germer. Plusieurs jours s'écoulent ainsi jusqu'au 27 juin, sans qu'André ne donne signe de vie. Élise a un mauvais pressentiment. J'ai une réunion professionnelle très tôt à 7h et puis j'ai oublié mon téléphone dans la voiture. Donc toute la réunion, je suis contrariée. Et je finis par quitter la réunion et j'arrive dans ma voiture et mon téléphone sonne au moment où j'ouvre la porte. Et je reçois un message de sa compagne qui me dit « Je suis inquiète, c'est pas dans les habitudes d'André, il ne répond pas. » Ce matin-là, Élise décide de se rendre chez son père, loin de se douter du drame qui s'est joué. Élise est sous le choc après la découverte du corps de son père. La jeune femme prévient immédiatement les secours et sa famille, dont son oncle Martin. Je prends la voiture, je vais à Saint-Séverin. Élise, lorsque je la vois là-bas, elle repasse le film du week-end. Mais c'est trop tard, il aurait fallu, on ne sait pas ce qu'il aurait fallu faire. On était abasourdis, on n'a pas de mots quand c'est comme ça, on n'est pas... Et puis ensuite, donc on ne nous dit rien, on nous dit juste qu'il ne faut pas rentrer. J'apprends juste quand même qu'il y a une douille près de lui. Donc on pense à tout.
À ce moment-là, on se demande un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, qui a pu en vouloir à André. C'est pas tous les jours à Saint-Sérotin que l'on découvre un retraité sans histoire qui gît dans une mare de sang, touché par des impacts de balles, d'armes à feu. À Saint-Sérotin, les enquêteurs procèdent aux premières constatations dans la maison du retraité. Comme toutes les enquêtes criminelles, on a une scène de crime qu'il faut absolument figer, qu'il faut protéger et qu'il faut analyser. Dans un premier temps, c'est une brigade de gendarmerie locale de Pont-sur-Yonne qui est saisie. André vit dans une maison. On a des escaliers pour accéder au palier. C'est une maison de plein pied. Vous avez un couloir qui vous emmène sur les différentes pièces. Et vous avez malheureusement ce corps qui est à l'entrée. Vous passez devant la maison, vous ne voyez rien. C'est-à-dire que la porte a été refermée après le meurtre. Et il n'y a rien qui n'a bougé en dehors de ce qui a pu être déplacé dans l'affrontement, dans un corps qui tombe et des hommes qui se battent. Il n'y a rien de volé. On se rend compte que cette procédure ne va pas être une procédure comme une autre. Et on décide de saisir la section de recherche de Dijon. Des services qui sont spécialisés pour les actes de criminalité les plus complexes et les plus graves. Le corps d'André est autopsié. Il ressort de cet examen que le retraité aurait été tué 4 jours avant que sa fille ne le découvre. André est décédé donc par arme à feu. Il a subi 3 tirs balistiques, un dans le bras, un dans la hanche, et le dernier dans la tête, au niveau de la tempe. Donc c'est une véritable exécution. Je ne peux pas imaginer qui peut lui vouloir du mal ou qu'est-ce qui a pu se passer dans cette maison pour que ça lui coûte la vie. C'était quelqu'un qui avait fait de mal à personne, qui était bien estimé, mais pourquoi quelqu'un s'en est pris à lui? Pourquoi? Il ne l'a même pas blessé, il l'a fini, quoi. Il l'a achevé. Il s'est défendu dans un premier temps, et puis après, il s'est retrouvé à terre, il a été achevé. C'est impensable. À ce moment-là, il y a plusieurs pistes qui sont lancées, comme dans ces affaires d'homicide, c'est toujours le cas, on lance plusieurs pistes, y compris la famille. Les gendarmes posent des questions, mais ils ne donnent pas d'explications. C'est normal. Tout le monde est suspect à ce moment-là. Les enquêteurs fouillent ainsi dans l'entourage de la victime et procèdent à une enquête de voisinage. On a plus de 40 personnes qui sont interrogées pour dire à l'unanimité, c'est un saint homme et on ne comprend pas ce qui est arrivé. Parmi la multitude de témoins qu'on va entendre, il y a des témoignages très précieux qui indiquent que, juste avant son décès, André a été vu en train de déjeuner dans un food truck avec son ami Jean-Pierre. Jusque-là, rien d'étonnant. Et avec une troisième personne, avec lequel il n'avait manifestement aucun lien auparavant, un prénommé William. À la fin du déjeuner, il y a une altercation par rapport à la note et à la monnaie qui est rendue. Donc là, l'un des deux hommes qui accompagne André va s'en prendre à la serveuse. Il s'était interposé en disant à ce personnage
Écoute, William, là, tu vas trop loin, tu peux pas parler à cette jeune fille comme ça. Il va dire, laisse-la tranquille, elle est bien, cette petite. Mais alors que les gendarmes étudient la piste de cette altercation, ils découvrent que cet homme, William, est déjà impliqué dans une autre affaire, survenue le 24 juin, c'est-à-dire le lendemain du meurtre d'André. Des faits assez troublants se sont déroulés dans les villages environnants. William s'est rendu au domicile d'une autre personne, un certain Serge, qui était avec sa femme, et agresse ce couple. On va pouvoir avoir la version de Serge sur son agression, qui va nous dire « William est venu chez moi, il était armé et il voulait en découdre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, parce qu'il m'accusait d'être un pédophile. » Des accusations graves qui ont failli coûter la vie à Serge. Il introduit le canon de son pistolet dans la bouche de Serge pour le faire avouer que lui-même serait pédophile. Et puis, le couple, miraculeusement, arrive à se défendre et fait battre William en retraite. Et s'ensuit une sorte de fuite qu'on pourrait presque qualifier de course-poursuite. À l'issue de cette petite fuite, il est interpellé par les services de police. Il fait une garde à vue, il est jugé immédiatement. Il est envoyé en détention à la maison d'arrêt d'Auxerre. Serge va indiquer aux enquêteurs qu'il était fort possible que ce soit William qui soit responsable du crime commis sur André. Et les enquêteurs, explorant toutes les pistes, comme c'est leur travail, vont s'intéresser à cette personne, à son pédigré, à ses proches. Et l'étau va se resserrer sur ce William. Sept mois après la découverte du corps d'André, les enquêteurs se penchent sur le profil de William. Il vit un petit peu en marge de la société, il se décrit lui-même comme un peu borderline. Il vit dans une caravane. C'est un homme qui a à peu près 45 ans, qui a eu forcément une vie, qui a travaillé toute sa vie, qui a vraiment vécu, qui a un petit casier judiciaire. Il aurait menacé des enfants avec une arme. William est père d'une petite fille de 9 ans, dont il a la garde. La petite, elle allait à l'école, il l'aidait, et elle était tout pour lui, vraiment tout pour lui. Il a été élevé par l'école de la rue, élevé par un père qui était violent avec lui et qui buvait. Sa mère, il n'en parle pas, donc elle est absente de sa vie. Et je pense qu'on peut faire un parallèle assez évident, mais l'enfance qu'il n'a pas eue, les liens d'amour et d'affection qu'il n'a pas eus, il va essayer de les transmettre à sa fille. C'était un papa poule. Mais depuis quelques années, William vivrait dans une grande angoisse. Pour lui, vraiment, on allait s'en prendre à sa fille, c'était sûr. Il sentait que c'était imminent. C'est quelqu'un qui est obsédé par les faits divers, accro aux chaînes de télévision en continu, fasciné par les affaires sordides, qui était persuadé de connaître l'identité de l'assassin d'Estelle Mouzin. Mais voilà, on a une certaine fascination pour les armes, avec ce besoin de protection. Donc lorsque on lui parle de la pédophilie, là, il devient complètement incontrôlable et il part dans son délire.
Je pense qu'il s'est installé dans une espèce de peur et de psychose. Il s'est convaincu lui-même qu'il était entouré de gens comme ça, de gens puissants qui étaient protégés et qu'il vivait au final au milieu de gens empreints de mauvaises intentions. Le 21 janvier 2019, William, déjà en détention pour l'agression de Serge, est extrait de sa cellule et placé en garde à vue. On lui demande s'il connaît André. Il confirme. C'est là qu'il va notamment dire « je le connais depuis plusieurs années, mais on se voit pas trop ». On va classiquement procéder à la perquisition et on va retrouver à son domicile, effectivement, des munitions, différentes armes. Une étrange lettre est également retrouvée dans les affaires du suspect à la prison d'Auxerre. On retrouve dans sa cellule une liste de noms. Sur cette liste figure tout ce qu'il pense être les grands ordonnateurs d'un réseau pédophile mondial. En tête, on retrouvera Serge, on retrouvera André. Cette lettre, il va la distribuer à son codétenu. Les enquêteurs ont auditionné le codétenu de William et ce qu'il dit est absolument terrifiant. Il dit que William lui aurait confié dans sa cellule que lorsqu'il sortirait de prison, il finirait le travail et il assassinerait les uns après les autres. C'est quelque chose qui est ancré en lui et ce sont ses mots. Il a découvert le poteau rose, il a des noms, il peut le prouver. Et c'est là où vous voyez toute l'étendue de la folie paranoïaque de cet individu. Et après 2 jours d'interrogatoire, William finit par avouer avoir tué André le 23 juin avant de s'en prendre à Serge le lendemain. Il explique que leur dernier déjeuner l'aurait poussé à passer à l'acte. Lorsque André prend la défense de la serveuse en disant « elle est bien cette petite », que William va mal interpréter cette phrase. William l'interprète comme « elle serait bien », mais il l'interprète sexuellement. Comme les paroles d'un homme âgé qui a des vues sur une petite de 15 ans. Je pense que c'est pour lui un élément de plus dans sa conviction de ce qui se trame quelque chose. Et donc, si quelqu'un est capable de tenir ses propos, ça le convainc davantage qu'on peut s'en prendre à lui et à sa fille. Devant les enquêteurs, William retrace, point par point, la journée du drame. Il va décrire comment il s'y est pris. Le matin, il se rend chez André. Il sonne à la porte. André, il est en tenue de matin, puisqu'il est très tôt le matin, aux alentours de 7-8 heures du matin, va lui ouvrir. Et il va pointer le pistolet sur lui et il va lui dire « Je sais que t'es un pédophile ». Il explique qu'il a demandé de se mettre à genoux, qu'il lui a mis un pistolet dans la bouche, enfin qu'il l'a frappé avec, des choses absolument insupportables. C'est William qui le raconte. J'ai dit « Avoue que tu es un pédophile », j'ai tiré. Je suis parti. Et le jour d'après, je suis allé voir Serge, qu'il considérait comme le numéro 1 de ce réseau. Des faits qu'Élise, la fille d'André, a encore du mal à évoquer. Je peux pas imaginer le scénario. Je peux pas imaginer qu'on lui ait fait tant de mal, en fait. Tout est tellement surréaliste que vous, enfin, il faut du temps pour comprendre que ça s'est réellement passé. La directrice d'enquête explique que des investigations ont été menées, que cette piste du réseau pédophile a tout de même été creusée par les enquêteurs, mais que rien n'a été démontré. Il y a eu des explorations sur les téléphones portables
d'André, et rien n'est ressorti. Elle précise que dans ces cas-là, lorsqu'il y a des pédophiles, on trouve facilement des images pédopornographiques ou autres. Mais là, rien n'est ressorti vraiment. C'est du grand délire. On invente n'importe quoi. C'est trop simple. Et ça, non, c'est pas. Je peux pas le tolérer, je peux pas l'accepter, je pourrai jamais le pardonner. La seule chose qui me reste, c'est la justice. À l'issue de sa garde à vue, William est mis en examen pour l'assassinat d'André. Mais de nombreuses questions restent en suspens. Qu'est-ce qui va se passer pendant le procès? Est-ce qu'il va changer de position? Est-ce que son avocat va faire un coup de Trafalgar et dire qu'en réalité, il est irresponsable pénalement? Est-ce que les juges vont le croire? Trois ans après la mort d'André, le procès de William s'ouvre. L'homme comparaît pour assassinat. Il encourt donc la réclusion criminelle à perpétuité. Donc, en arrivant, on sent tout de suite une certaine tension et une appréhension parce qu'on va réouvrir quelque chose de très douloureux. On ne peut pas imaginer ce qui va se passer pendant trois jours dans cette pièce. C'est difficile parce que d'abord, vous passez trois jours avec le meurtrier, trois jours à entendre des choses abominables et surréalistes. Comme si la lâcheté du crime, comme si l'ignominie de ce crime ne suffisait pas, il a fallu rajouter en plus la calomnie. Tout l'enjeu de ce procès est de déterminer si William a agi dans un moment de folie paranoïaque ou avec la détermination de tuer. William va indiquer que, pour lui, il a compris qu'André ferait partie de ce réseau de pédophiles mondial dont le siège serait environ dans Lyon, parce qu'il aurait fait une allusion graveleuse auprès d'une serveuse du food truck qui était mineure. Je ne sais pas si vous mesurez le degré de perversité qu'il faut pour échafauder une défense et la cimenter autour d'un mensonge pareil. Il connaît pas les gens, il agresse les gens, il s'invente des histoires, il se permet de dire des choses, il se permet de faire une liste avec le nom des gens. Enfin, et puis évidemment, bah, il se permet d'aller chez mon père et de l'assassiner pour absolument rien. Mon rôle, il est compliqué parce que je dois expliquer à des jurés et à des juges la réalité d'un homme qui ne colle pas avec la réalité du dossier et même la réalité du monde. C'est-à-dire que sa réalité à William, c'est « j'ai tué un pédophile ». Personne n'est dupe. Ces aveux sont évidemment destinés à essayer d'amoindrir au maximum la peine puisque William ne peut pas continuer à nier l'évidence. À l'issue des 4 jours de procès, l'avocat général requiert 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de William. Les experts, à l'unanimité, ont déclaré qu'en réalité, il était totalement maître de lui-même au moment où il a commis ces faits atroces. Il était en pleine possession de ses moyens. Il l'a fait de manière consciente, réfléchie et préméditée. William est déclaré coupable des faits d'assassinat. Une peine de 30 ans de réclusion criminelle est prononcée. Donc on n'est pas sur la perpétuité qui était requise. Et William va être condamné également à une peine de 20 ans de période de sûreté. Mais William fait appel de sa condamnation. Et un an plus tard, c'est un nouveau procès qui s'ouvre. Et donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, bah, la cour d'assises de Paris condamne l'accusé, William, à une peine de 30 ans de réclusion criminelle, assortie de 2/3 de sûreté. J'espère que ça n'arrivera plus jamais.
pour moi, il ne peut pas sortir de prison. Il ne faut pas qu'il sorte de prison. D'abord parce que c'est un danger, mais pour soulager ma peine, il faut qu'il reste en prison, c'est sûr. La famille d'André, aujourd'hui, se reconstruit. Je pense que André est désormais dans leur esprit un souvenir lumineux. Un homme bon, un homme droit, un homme juste et un homme que tout le monde aimait. J'espère que son honneur a été réhabilité. Ce que j'aimerais qu'on retienne de lui, c'est sa joie de vivre, son courage. Il était très courageux. Sa bienveillance, sa générosité. Il nous manque, oui.